L'expérience avérée des États-Unis dans le domaine de la protection des données personnelles intéresse le Gabon, d'où cette séance de travail entre le président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel et l'attaché de défense de l'ambassade des États-Unis au Gabon. Nous avons échangé sur la possibilité de mettre en place un partenariat, une collaboration qui vise essentiellement à aider donc la Commission dans le cadre de la formation, notamment la mise en place d'un certain nombre de dispositifs informatiques pour que la Commission puisse renforcer non seulement son arsenal juridique, mais également technique, aux fins de mener à bien les missions qui lui sont dévolues par donc la loi 01/2011 relative à la protection des données à caractère personnel. Habité par l'ambition de dynamiser et vulgariser les missions de la CNPDCP, le président de la dite autorité administrative indépendante place la formation au cœur de tous les projets. Réceptif, l'attaché de défense encourage cette approche. Peut-être il y aura un moyen de travailler, de trouver une autre organisation chez nous, aux États-Unis, pour travailler avec eux. Cette collaboration en gestation nourrit déjà l'espérance de la CNPDCP en matière de veille technologique.